Et salut à tous, c'est Oko. Alors, juste avant que la vidéo commence, je voulais juste vous dire que cette semaine, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ça va être la semaine un peu du test. Je vais tester différentes choses, différents formats, différents sujets. Donc n'hésitez pas, bah même plutôt, je vous encourage à mettre des pouces rouges si vous n'avez pas aimé la vidéo ou écrire un commentaire ou inversement, que je puisse m'améliorer dans ce que je fais là, la chaîne est récente, donc je me permets de faire ça. Et je vous laisse donc avec le top 5. Alors on commence ce top 5 avec une vidéo d'Oscar qui nous montre un magnifique ult de Poppy sur deux joueurs qui vont se faire intercepter par l'ult de Ryze pour se retrouver nez à nez avec un talon apparemment bien faible qui va les exploser. Mais ça évidemment c'était tout calculé de la part de Poppy. On continue avec le numéro 4, une vidéo de Bronzes with Attitude où une Talia va faire un move de génie en utilisant son W juste avant de taper sur la plante qui va propulser la Nami dans l'antre du Baron contre Kha'Zix qui va se faire une joie de la tuer. Numéro 3, une vidéo de QH qui nous montre une Karma Tank avec l'objet Rédemption. L'objet qui nous permet d'avoir 10% de bouclier et de soi en plus. Alors imaginez ça sur une Karma Tank, bah, je vous laisse regarder. C'est cancer. Alors mention spéciale au Ezreal qui a essayé de KS la Katarina alors que Karma se tape le 1v3 depuis 10 minutes. Franchement toi, t'es un champion. Numéro 2, une vidéo de Dai avec un retournement de situation assez unique en son genre. On voit que l'équipe rouge vient de tuer deux joueurs et commence le baron. Et là, il y a plusieurs possibilités. Soit ils meurent tous du baron, soit ils le réussissent, ou Ezreal lance un ultimate qui va tuer la plupart du groupe. Et non, finalement, ce sera Sona avec l'objet Rédemption, dont elle le lancera à plusieurs kilomètres. J'adore cet objet. Et on finit avec le numéro 1, une vidéo de CapHD qui nous sort un ultime avec Fiddlestick, qui fait le plus beau pentakill de l'histoire de LoL. Et donc voilà pour ce premier top 5, ou peut-être le dernier, ça va être à vous de décider. Donc n'oubliez pas les pouces rouges, les pouces bleus, des commentaires, je prends toutes les critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. On est là pour s'améliorer, ben, je suis là pour m'améliorer. N'hésitez pas à y aller franco. Dites-moi si vous voulez que ce soit plus long, par exemple si vous voulez que ce soit plus long, 3-4 fois plus long, de 10 minutes, plus de 10 minutes. Bah, je pourrais faire ça au lieu de toutes les semaines, tous les mois, comme ça le contenu sera de meilleure qualité. Bref, vos critiques sont très importantes pour moi, et je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo, bye bye.